Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 162. Aujourd'hui, ça fait un an. Aujourd'hui, l'an passé, à la même date, c'était je créais ma première capsule. Yeah! Et comment ça devient encore mieux que ça? Et aujourd'hui, j'en suis à ma 162e. Je n'aurais jamais cru qu'en créant ma première capsule, je me rendrais jusqu'à 162. C'est comme « wow ». Et ça, c'est vraiment lorsque on se permet de dire oui à l'énergie qui est en place. Et de un, quand on se permet de choisir des choses, de faire des demandes à l'univers, pour moi, c'était à ce moment-là « bonjour Fanny ». Pour moi, à ce moment-là, c'était j'arrivais devant la caméra et c'était comme j'avais l'impression que je recevais tellement tout plein d'informations en même temps, j'étais incapable de prononcer ou de dire quelque chose qui avait du sens. Et j'ai posé des questions à l'univers, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse créer des, voilà, des vidéos avec aisance. Puis un matin, et j'ai pas dépoqué tout ça. Bonsoir Nadine. j'ai pas dépoqué tout ça. et à ce moment-là, un matin, je me suis réveillée et l'énergie était là. Et ce matin-là, c'était l'an passé, à cette même date. J'ai fait « wow! C'est aujourd'hui que je fais... » Et je ne savais même pas comment appeler ça. Le mot qui est venu, c'était « capsule ». J'ai dit « ok, on fait des capsules ». Et c'est ainsi que j'ai commencé ceci. Le sujet d'aujourd'hui, « et si nous choisissions, en fonction de créer un monde plus grand ?» Et qu'est-ce que ça veut dire, ceci? On choisit en fonction de quoi? Et si c'était de choisir en fonction de soi, c'est-à-dire en fonction... Bonsoir, Emma! En fonction de ce qui fonctionne pour nous, en fonction de qui on est vraiment. Et si on créait un monde plus grand, justement, en choisissant, et d'un, la différence que nous sommes, et en choisissant ce qui peut paraître tellement bizarre dans l'univers des autres, ou même dans notre propre univers, mais qu'en même temps, ça apporte de la joie, ça apporte de la légèreté, ça apporte de l'expansion dans notre univers. Et si c'était ça, créer un monde plus grand? C'était de reconnaître qui on était, et c'était de permettre d'inclure ce qui est vrai pour nous, de s'inclure nous. Hein? À travers toutes les vies passées, on a appris surtout à nous nier, à nous juger, à ne pas être qui on était. Mais et en même temps, on s'est retrouvé dans des vies qui faisaient en sorte que notre vie n'avait pas de sens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le matin de ma première classe de bar, la journée juste avant, de ma première classe de bar, j'étais prête à quitter la planète. J'ai dit à la planète, à Dieu à ce moment-là, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai dit à Dieu, à l'univers, je sais que la vie que je suis en train de vivre, c'est pas ma vie. Je veux ma vie. Je désire ma vie. Et si c'est la vie que j'ai en ce moment, que j'ai à continuer de vivre, viens me chercher. Et c'était comme, wow, c'est moi qui viens de dire ça? Pourquoi? Et c'était quoi? C'est que je vivais une vie à partir des obligations. Il faut que. Hein? C'est une bonne idée. Ben oui, il faut que j'ai un bon emploi. Il faut que je fasse l'argent. Il faut que j'ai un appartement. Il faut. Hein? C'était... Et quand venait le temps pour moi de choisir pour ma vie, je savais pas. Je savais pas quoi choisir. Je savais ce que je voulais, mais je savais pas par où commencer. C'était ça. Et quand j'avais des moments de libre, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, là. C'est que quand j'avais des moments de libre, ben, quand je choisissais quelque chose, je le tournais en obligation parce que j'étais tellement habituée de me vivre à partir de l'énergie d'obligation que c'est ce que j'avais créé comme vie. Donc, et ici, il y avait justement un autre genre de vie, une approche différente pour vivre notre vie. Hein? Une approche où est-ce qu'on se permet justement de choisir en fonction de ce qui est vrai pour nous. Et comment on fait pour savoir ce qui est vrai pour nous? Ce qui est léger, ce qui apporte de la joie, ce qui au niveau de l'énergie crée de l'espace. Hein? C'est la façon ici de créer un plus grand monde lorsqu'on choisit ainsi. Et en même temps,
Nous sommes ici sur la planète. Je vous invite à vous poser cette question. Êtes-vous ici? Êtes-vous une contribution? Si dans votre univers ça ouvre, ou si c'est léger, ou il y a de la joie, c'est que vous êtes ici pour contribuer. Êtes-vous ici pour contribuer à quelque chose de plus grand? Oui, non, léger, lourd, ça ouvre, ça ferme dans l'énergie. Et si c'était justement à créer quelque chose de plus grand, et que si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, ici, c'était de commencer à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne la contribution que je suis vraiment? Qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que je choisisse d'être cette contribution que je suis vraiment? Gida nous dit « Hello, hello, bise de la Suisse, une fois de plus, te suivre est toujours léger, léger, léger. » Hey, cool! Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc, c'est vraiment ceci. Et si on était ici, la contribution que nous étions, et j'ai goût de vous poser la question, l'êtes-vous déjà? Et si c'est léger dans votre univers aussi, ça ouvre, c'est que, voilà, vous l'êtes déjà. Et si c'est, est-ce que c'est suffisant pour vous? Parce que je sais qu'en ce moment, moi aussi, je suis une contribution. Je contribue d'une certaine façon et à chaque fois que je contribue, ça me fait tellement de bien. Et si justement devenir la contribution que nous sommes vraiment, ça nous nourrissait nous aussi. Quand j'ai commencé avec Access et qu'on disait créer un monde plus grand, créer, pour moi, c'était comme, hey, laissez-moi prendre soin de ma vie, puis ensuite, je vais penser à un monde plus grand. Pour réaliser que ici, justement, à créer un monde plus grand, c'était qu'est-ce qui me sépare de la planète? Il n'y a rien, à part mes pensées, sentiments, émotions, à part ce que je choisis de mettre en place. La planète fonctionne à partir de la conscience. Nous, en tant qu'être, nous fonctionnons à partir de la conscience. C'est la même conscience, on n'est pas différent. Donc, si vous choisissez en fonction de créer un monde plus grand. Et comment on fait? Comment ça devient encore mieux cela? Oui. Comment on fait? Ben, c'est en posant des questions pour recevoir justement les prises de conscience qui vont nous amener vers ceci dans notre vie. Je sais, c'est ma 162e capsule. Je sais, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois. Mais parfois, on a besoin de l'entendre encore et encore et encore avec des mots différents, avec des énergies différentes, à partir, voilà, de façon différente. Il y a la seule chose qui nous sépare de la planète et de nous, c'est nous qui l'avons mis en place. Ici, c'était de détruire et d'écrire tout ceci, ou de retourner tout ceci à l'expéditeur, parce que parfois, parce qu'on est tellement télépathe, il se peut qu'on ait perçu des pensées, des sentiments, des émotions qui n'étaient même pas à nous. Et c'est vraiment de retourner tout ceci à l'expéditeur. Et quand, voilà, comme je l'ai déjà dit dans les autres capsules, je suis dans le questionnement par rapport à ma vie, parce que je sais que je peux être une contribution tellement plus grande, et que cette contribution-là, va m'amener à m'ouvrir, et là, c'est là que je vais aller aussi avec vous aujourd'hui. Il se peut que devenir la contribution que nous sommes vraiment, pas il se peut, il est grandement possible que ça va nous amener à nous sortir de notre zone de confort. Et nous sortir de notre zone de confort, qu'est-ce que c'est? Ça va faire remonter des peurs, ça va faire remonter de la terreur peut-être, des énergies tout autres, mais tout ça, ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui, tout ça n'est que de l'énergie. Les peurs, la terreur, ce qui va remonter en vous à ce moment-là, si c'est de la peur, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est de la peur ou de l'excitation? Et si c'est de l'excitation, allez-y grandement. Et si c'est le reste, je vous invite à ne pas rendre ceci réel, mais de détruire et d'écrire et continuer à poser la question et de vous concentrer, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne, voilà, la contribution que je suis vraiment. Ici, la contribution que nous sommes n'avait justement pour créer un monde plus grand était quelque chose de totalement différent. Êtes-vous prêt et prête à être ceci, à recevoir ceci, à recevoir au niveau de l'énergie? Parce que en tant qu'être, nous fonctionnons à partir, voilà, de la conscience. Nous fonctionnons. Et qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est de l'énergie. Tout est énergie sur la planète. Tout est énergie, et quand on se permet de recevoir la conscience de ce qui est,
quand on se permet de recevoir les prises de conscience, ben c'est là qu'on est guidé. Et s'il y avait justement sur la planète, il y avait ce système, comme j'ai déjà dit, un système de support, de maintien de l'être que nous sommes vraiment, et s'il y avait des possibilités qui étaient déjà là, mais qu'on n'avait pas pris conscience, et c'est en posant des questions qu'on pouvait justement recevoir... Oh, il y a beaucoup de vent ici. Ah, je vais tourner. Qu'on pouvait justement recevoir et percevoir ce qui nous amènerait à une vie plus grande. Parce que ici, justement, je vous invite vraiment à vous poser cette question-là. Est-ce que créer une vie, un monde plus grand, créerait plus pour votre vie? Ça ouvre et ça ferme. C'est léger aussi, c'est lourd. Hein? Et est-ce que vous avez cru que c'était en vivant une petite vie, en ayant un chien, un chat, 2,4 enfants, la maison, la clôture, la piscine peut-être, que c'était ce qui vous rendrait heureux, heureuse? Et si c'est ça, cool. Mais si c'est autre chose, si c'est ça plus autre chose, cool aussi. Ah, c'est vraiment ouvre, léger, merveilleux. Bonsoir Stéphanie. Donc c'est vraiment ici. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, voilà. En tant qu'humanoïde, on est souvent insatisfait. On est souvent insatisfait de notre vie. On veut toujours plus, plus, plus. Et je suis là. Hein? Je veux plus, plus, plus parce que je sais qu'il y a plus pour moi. Je sais qu'il y a vraiment plus pour moi. Et c'est de m'ouvrir et de recevoir et de détruire et d'écrire tout ce qui est en place qui ne me permet pas de percevoir et de recevoir ceci. Et c'est ce que je vous invite également à faire pour vous-même. Et est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est de poser la question. Est-ce que c'est le moment? Oui ou non? Donc, voilà. Ici, on était tous ici. Et si ça commençait par nous? Hein? Et si ça commençait par nous de choisir pour nous, pour notre vie, et ceci avait un impact pour la planète. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête à vraiment choisir ou à vous ouvrir? Hein, souvent, c'est la première chose. À vous ouvrir, à recevoir ce qui va... Êtes-vous prête à être heureux, heureuse? Et si être heureux, heureuse, c'était de se vivre à partir d'une dynamique énergétique différente. Et si c'était pour justement de se permettre de se vivre à partir d'une façon différente. C'est léger ou si c'est lourd dans votre univers? Hein? Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à créer un monde plus grand? Et si c'était ce monde, en créant un monde plus grand, ça créait plus pour vous aussi. Si c'était de reconnaître qui vous étiez vraiment, de reconnaître, de choisir en fonction de... Et comment fait-on? Voilà, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. C'était, OK, si je choisis ceci, est-ce que je suis en train de choisir à créer un monde plus grand? Et là, si ça ouvre, oui. Si c'est léger, oui. Si ça crée de la joie, oui. Et si ça ferme, et si ça crée une contraction, c'est que, peut-être que c'est pas en train de créer un monde plus grand. Et c'est pas là-dedans de vous blâmer, là. Si c'est ce que vous choisissez, c'est vraiment de vous permettre de prendre conscience de ceci. De prendre conscience que, OK, je fais des choix, et les choix, c'est vraiment pour me maintenir dans la vie que je suis en ce moment. Cool! Est-ce que c'est ce que vous désirez? Oui, non, c'est à vous de choisir. C'est vraiment à vous de choisir. Et si c'est que vous désirez quelque chose de plus grand, cool, continuez à demander à l'univers et à détruire et à décrire ce qui est en place, qui empêche vous, pour vous, de recevoir, de percevoir, de prendre conscience, quoi, de ce qui est en place. Et de cette façon-là, vous allez être guidé. Vous allez être guidé. Et puis, une bonne façon également pour devenir de plus en plus conscient, c'est de recevoir les barres. Faites-vous faire vos barres. C'est un excellent moyen pour se permettre d'être de plus en plus conscient. Et pourquoi devenir de plus en plus conscient? Ben, désirez-vous une vie d'aisance. Parce que quand on se vit à partir de la conscience de qui nous sommes vraiment, à partir de la conscience, qui nous sommes vraiment, nous sommes la conscience.
Et plus on survit à partir de la conscience de qui nous sommes vraiment, plus naturellement notre vie devient aisance, notre vie devient légèreté, notre vie devient expansion. Ici, pour créer un monde meilleur, c'était de vous donner votre espace, de vous permettre votre espace. Et votre espace, ici, c'était de vous de reconnaître ce qui est vrai pour vous et de ne pas attendre que les autres vous valident. C'est à vous de vous valider. Ou si vous avez besoin de validation, allez voir quelqu'un qui peut justement vous recevoir là-dedans. Parce qu'on a souvent tendance à aller d'avoir quelqu'un qui ne nous validera pas, hein, qui va nous invalider dans ceci. Ici, c'était également à ce moment-là de poser des questions. OK, qui est-ce qui peut me valider ou qui est-ce qui peut me reconnaître là-dedans, qui peut me valider, qui peut me soutenir dans ceci, qui peut me soutenir dans ce qui est vrai pour moi. Il y a des gens qui sont là, et si c'était de vous ouvrir à recevoir ces gens-là. Parce que, ici, tout l'univers était là pour nous soutenir tous dans ce qui est vrai pour nous. Ici, l'univers était là pour nous soutenir tous à être l'espace que nous sommes. Mais c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir cet espace. C'est à nous de nous permettre vraiment de choisir l'espace. C'est ce que j'avais le goût. Ah, bonjour Lucie! C'est ce que j'avais le goût de vous partager avec vous aujourd'hui. Ici, nous étions ici pour créer un monde plus grand. Et ce monde-là, c'était de reconnaître qui on était vraiment et la contribution qu'on était. Et en créant ce monde-là, on créait vraiment une vie qui était à la mesure de qui on est vraiment. Et dans cette vie-là, ici, il y avait tout ce qu'on recherchait, c'est-à-dire nous. Tout ce qui est vrai pour nous, tout ce qui est léger, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est espace et expansion. Merci tout le monde, merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye bye!